Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Over the Results consacré à Judgment Day 2008. Voilà, encore une fois, je vous invite à liker la vidéo si vous aviez aimé ce pay-per-view ou à laisser un dislike si vous ne l'aviez pas aimé. Premier match, John Cena bat JBL dans un match franchement pas ouf pour un opener. Alors je dis pas plus tard dans le show, à mon sens ça aurait été plus judicieux parce que là en fait il n'y a que des prises de soumission de JBL sur le torse et le bras gauche, je crois, de John Cena. Donc il y a une immense domination de JBL qui propose quand même du bon catch, malgré le fait que je sois pas, on va dire, 100% fan de son in-ring en temps normal. Je trouve que c'est plutôt bon, et puis c'est du catch pur, donc ça fait plaisir. Mais là, le proposer en opener, je trouve que ça permet pas vraiment de se mettre dans l'ambiance. Je l'aurais mis plus tard au milieu du show à peu près. Je trouve que ça aurait été beaucoup plus judicieux. Et puis John Cena qui gagne après 15 minutes de domination et seulement après un double lay, un seul double lay. Je trouve ça pathétique. Mais bon, c'est comme ça. On devait s'y habituer à l'époque. Ça rappelle Reigns actuellement quand il gagne avec peu de prise. Mais c'est comme ça. À l'époque, on avait l'habitude avec John Cena. Et concernant cette note, enfin concernant la note de ce match-là, j'ai mis un 5 sur 10 seulement. Parce que je trouve qu'il est mal placé, comme je l'ai dit, et que pas spectaculaire, catch pur et rien d'autre. Le rythme est pas franchement ouf, donc 5 sur 10, c'est vraiment le maximum que je peux mettre pour ce match-là. Deuxième match, John Morrison et le Miz battent CM Punk et Kane pour conserver leur titre par équipe de la WWE. Dans un match très rythmé, mais trop court et sans réel gros moment, si ce n'est la fin du match, et encore. Donc le finish voit Punk vouloir porter le GTS à Morrison, mais Miz profite que Punk soit près des cordes pour lui maintenir le pied depuis l'extérieur pour l'empêcher donc de porter la prise. Pendant que Kane était en train de parler à l'arbitre pour se plaindre justement de l'agissement des champions, Kane va ensuite descendre du ring pour porter un chokeslam au Miz à l'extérieur du ring, mais Morrison il va profiter de la distraction, de cette distraction involontaire de Kane pour porter son finish à Punk pour la victoire. Donc je trouve que pour moi le match est trop court. Il y a des bonnes choses, ils auraient pu amener plus. J'ai mis la note de 6,5 sur 10. Troisième match, Shawn Michaels bat Chris Jericho dans un très bon match de 15 minutes. À mon sens, le meilleur de ce pay-per-view. Très bon rythme, très bonne alchimie. Il y a juste le finish en fait qui pose un petit peu problème et qui me plaît pas. Parce que Shawn Michaels bat Jericho grâce à un petit paquet. Et à la base, on avait eu un switching music et un codebreaker qui n'avait pas suffi à battre l'un ou l'autre. Et puis la fin du match, enfin après le match, on va voir Jericho et Michaels qui vont se serrer la main. Même si il n'y a pas forcément beaucoup de confiance. Parce que je vous rappelle qu'il y avait eu un match entre ces deux. Si je dis pas de bêtises, c'est WrestleMania 21 et qui avait vu Chris Jericho porter un loblo justement juste après avoir serré la main de Shawn Michaels, donc on sent qu'il y a encore un petit peu des tensions. J'ai marqué dommage que le titre intercontinental de Chris Jericho n'était pas en jeu. J'aurais bien vu Shawn Michaels, pourquoi pas, avec un titre intercontinental, étant donné qu'il aura juste encore un titre par équipe par la suite, mais ça aurait été son dernier titre en solo à la WWE, mais c'est pas grave. J'ai marqué que j'attendais de voir le ladder match à No Mercy 2008, vu qu'il est vraiment considéré comme un des tout meilleurs à la WWE. Je suis pas forcément déçu, je m'attendais peut-être un petit peu plus entre ces deux-là, mais ça reste un très bon match comme je l'ai dit, d'où ma note à 8 sur 10. Quatrième match, Mickie James bat Beth Phoenix et Melina dans un bon match triple menace. Bon, on va dire un match correct plus que bon. Il y a plusieurs spots sympas. On a Phoenix qui souhaite que Melina parte au début du match. Donc la cloche commence. Beth Phoenix va aller vers les cordes, va pousser la deuxième corde vers le haut et la première corde vers le bas avec son pied. Et va dire à Melina, tu sors de mon ring, t'as rien à foutre là à la base. C'est vraiment une rivalité entre Phoenix et Mickie James. Et c'est pour ça qu'elle demande à Melina de partir. Elle a été rajoutée au match parce qu'il y avait des tensions justement entre elle et cette dernière. Et puis, un autre spot sympa, on a la double prise de soumission de Phoenix sur Mickie James et Melina. Vous l'avez, je crois, en miniature, ou alors vous l'avez même déjà là sous les yeux maintenant. Mais Phoenix était vraiment une grande lutteuse, et à moi, en tout cas, elle me manque beaucoup. Il y en a quelques-unes qui manquent de lutteuses aujourd'hui. Beth Phoenix en fait partie, AJ Lee aussi, Paige, Lita, Stratus. Je pense qu'on peut en rester là. Je pense que c'est vraiment 5 lutteuses qui me manquent énormément.
Et puis après, comme tous les matchs féminins de cette époque, il y a un gros défaut, c'est-à-dire que c'est le temps, 4 minutes seulement, ça ne passe pas. Et vous voyez que je mets la note de 6,5 sur 10 pour un match de 4 minutes, ce qui est quand même bien, donc preuve que j'ai bien aimé ce match-là. Cinquième match, l'Undertaker bat Edge par décompte à l'extérieur dans un match plutôt bon de 16 minutes. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Je vais vous expliquer un petit peu, le titre poids lourd était en jeu, mais je vais vous expliquer tout ça après. Il y a pour moi quelques défauts, on va dire deux grands défauts. Premièrement, c'est le rythme du match, principalement imposé par l'Undertaker. C'est très lent et surtout en début du match, pour moi, ça ne me plaît pas forcément. Et on a le deuxième, c'est le finish. Et en fait, les deux se retrouvent à l'extérieur du ring, à être même dans le public. Et puis, Edge va être le premier à vouloir retourner vers les cordes. L'Undertaker arrive par derrière, le balance contre la barricade, remonte sur le ring et puis décompte à l'extérieur. Et pour moi, en fait, déjà de base, c'est un match de championnat. On peut pas finir sur un décompte à l'extérieur en pay-per-view. Et surtout que là, et c'est là que je vous rends attentif, c'était que le titre était vacant. Donc personne n'était champion avant le match. Pourquoi? Parce que justement, vu ce qui s'était passé à Backlash 2008, donc je vous ai fait la review il y a 2 semaines, Vicky Guerrero avait retiré le titre à l'Undertaker à cause du chokehold, du gogoplata ou du triangle choke, donc qui était considéré comme trop dangereux, donc pas autorisé dans un match. Donc elle lui avait retiré le titre et lui avait dit: Undertaker, je te mets dans le match à The Great American Bash. Puis finalement, avec une manipulation, un peu un stratagème sordide et sournois, c'est Edge qui avait été entre guillemets challenger numéro 1 avec l'Undertaker. Mais donc le titre était vacant et ce match servait à déterminer le nouveau champion poids lourd. Mais là, forcément, ça se finit par un décompte à l'extérieur. Donc Vicky Guerrero arrive après le match et lui dit: Non, Undertaker, t'as gagné le match, mais t'es pas champion parce qu'un champion, on le sait, ça ne gagne pas par disqualification ou par décompte à l'extérieur. Donc Undertaker n'est pas champion. Et là, à mon sens, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi il ne recommence pas le match et qu'on a un Undertaker qui, à la base, on aurait pu croire qu'il était champion, puis Edge qui intervient et je sais pas, qui finit par gagner le match avec de la triche. Je sais pas. Moi, je trouve que, encore une fois, et je vais m'acharner, certains vont pas forcément y voir grand rapport, mais on fait très bien recommencer le match au Royal Rumble 2013. Je sais, je m'acharne sur Rock, ça m'énerve, je suis toujours en train de réagir par rapport à ça, mais pourquoi est-ce qu'on fait recommencer le match à Rock parce que le Shield est intervenu au Royal Rumble 2013? Autant lui avoir fait gagner le titre à Elimination Chamber 2013 alors. Mais là, c'est pareil, surtout que Edge va remporter le match, si je dis pas de bêtises, au pay-per-view suivant, donc à One Night Stand. Donc voilà, je vois pas forcément une grande utilité de ne pas avoir recommencé ce match-là. Bref, c'est un détail. Pour moi, il y a ces petits défauts-là et le fait que je m'attendais peut-être un petit peu mieux dans un match entre Undertaker et Edge, surtout qu'il y a toujours une bonne alchimie entre les deux. Donc je suis un tout petit peu déçu, mais le match reste très bon, d'où ma note, un 7 sur 10. Sixième match, Jeff Hardy bat MVP dans un match qui n'était pas du tout prévu, dans un vraiment copier-coller du Matt Hardy contre MVP, donc de Backlash 2008. Donc comme je l'ai dit, le match n'était pas programmé à la base, c'est MVP qui vient sur le ring, qui dit: Ah ouais, je suis le plus grand champion des États-Unis, enfin, il a eu le plus grand règne en tant que champion des États-Unis, qui s'est terminé donc justement à Backlash 2008 avec la victoire de Matt Hardy. Et il dit: J'ai pas de match, donc je trouve pas ça normal. Et puis Matt Hardy intervient et dit: Je vais pas mettre mon jeu, je vais même pas combattre contre toi. Il y en a un qui veut le faire et qui veut prouver que tout comme moi, je suis meilleur que MVP. Et donc c'est son frère Jeff Hardy qui arrive et le match a lieu. Je comprends pas pourquoi on met un match comme ça. Et vous savez que je n'aime pas les matchs rajoutés en dernière minute. Dans 95% des cas, pour moi, c'est un match qui va péter la moyenne du show. Et là, c'est le cas. Pour moi, c'est le plus mauvais match de la soirée, je crois. Pour moi, comme j'ai dit, c'est un match copier-coller du Matt Hardy contre MVP. Dans le sens où il y a des prises, mais sans plus. Il n'y a pas de grand spot. Et puis surtout, il y a une domination de MVP, mais à la fin, une victoire d'un Hardy. Et en plus, pas sur sa prise de finition, vu qu'il a gagné sur un Whisper in the Wind. Donc je comprends juste pas. Il y a 9 minutes de match, mais il n'y a rien qui se passe. Pour moi, c'est une immense coquille, mais vide. Dans le sens où ils auraient pu faire quelque chose, mais il n'y a rien au fond. Et si enfin, vous comprenez qu'à part le Edge Taker, parce qu'il se passe quelque chose, mais encore, c'est un peu une déception, je trouve vraiment dommage parce que ce match-là, encore une fois, n'est pas mauvais, tout comme les autres. Mais ce show, on dirait un Raw satisfaisant, voire bon, mais c'est pas un compliment en fait. Parce qu'un Raw bon, c'est censé être
plus mauvais qu'un bon pay-per-view, qu'un pay-per-view même normal. Donc ce que je trouve dommage, c'est que ce show, il est très banal en fait. Il y a des choses qui se passent, il n'y a pas de mauvais match, mais il n'y a pas de match incroyable non plus, à part le main event, et puis à la limite le Jericho contre Michaels, mais qui est aussi un tout petit peu décevant dans mes attentes, parce que je m'attendais à plus. Donc je trouve que ce show est extrêmement banal, sans être mauvais. Donc ouais, je me suis un peu fait chier, et ce match Jeff Hardy contre MVP, ben, ça a été le cas, je me suis fait chier, et c'est dommage, parce que vous savez que j'aime bien Jeff Hardy et je n'aime pas MVP, donc logiquement, ça devrait me faire réagir, et là, ben, pas du tout, je me suis fait chier, d'où ma note, un 5 sur 10. Et enfin, le main event, Triple H bat Randy Orton pour conserver son titre de la WWE dans un très bon match. On va dire que c'est un peu celui qui sort du lot, mais encore pour un main event, ça pourrait être mieux. J'ai mis qu'il y a beaucoup de spots en haut de la cage, voyant la plupart du temps Orton voulant s'échapper et puis Triple H intervenir et le retenir puis le remettre sur le ring. Ensuite, j'ai marqué que, encore un compliment, mais le selling est pas trop dégueulasse pour un steel cage match. Pourtant, vous savez que ce type de match-là, je ne considère pas comme bon. Et puis, il est très brutal, je trouve. Après, vous allez me dire, c'est un steel cage, c'est normal, mais je trouve que Triple H amenait vraiment dans tous ses matchs un côté brutal. Et il manque, lui aussi, il manque très clairement à la WWE actuellement. Et j'ai marqué, Triple H finira le travail avec un coup de chaise dans la tête, puis un pedigree pour terminer le match. Un bon match de 21 minutes qui fait plaisir. J'ai mis la note de 9 sur 10. Voilà, donc un 6,71 sur 10. C'est un show qui est commun. Il fait pas forcément plaisir, mais il n'est pas non plus dégueulasse, quoi. C'est ce que je disais. Il est banal. Et je trouve que la note, encore une fois, ça sent. Enfin, le show s'en sort plutôt bien. On aurait pu avoir même un peu moins. Donc, c'est plutôt correct, mais ça reste un show très très banal. Et au fond, il se passe pas grand-chose. Pas de controverse, pas forcément de changement de titre. Si je dis pas de bêtises, je vais juste regarder, mais je crois pas qu'il y a de changement de titre, hein. Non, il n'y a pas de changement de titre. En plus, ben, John Cena JBL qui est mis au début du show, c'est pas forcément une bonne idée. Voilà, un show, je pense que c'est le show le plus banal de l'année 2008. Et je pense même que ce sera le titre de la vidéo. Voilà. Voilà, donc merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter et à vous abonner à la chaîne si vous aimez son contenu. Et nous, on se retrouve tout bientôt pour la suite de la chaîne.